Mesdames, Messieurs, les membres et les dirigeants de l'Association des Amis du folklore, on est heureux de vous recevoir chez nous. Alors, on va vous dire un beau bonsoir de bienvenue. J'aimerais qu'on se lève. On va porter un toast pour nos 25 ans d'existence, 25 ans de musique. On va également porter un toast à un de nos dirigeants qui nous a quittés. Alors, il a été vice-président pendant 25 ans. Alors, on porte un toast à Georges. On va porter un toast aussi à tous nos musiciens, à nos bénévoles, à nos danseurs, à nos chanteurs, à notre santé. Merci beaucoup. Encore une autre année qui se termine. Chacun de nous lui fait tous ses adieux. Pour disparaître, on la voit qui s'incline. Elle semble dire, enfant, soyez heureux. Un an nouveau déjà a pris ma place. Embrassez-le avec beaucoup d'amour. Ce temps joyeux toujours trop vite se passe, car lui aussi disparaîtra un jour. Ainsi s'en vont les années de la vie, en nous laissant toujours un souvenir de nous quitter. Elle nous semble meurtrir, car jamais elles ne pourront revenir. 12 autres mois passeront sur le monde. Janvier est le mois le plus rigoureux. Février est long comme une seconde. Mars, avril, mai, juin pour les amoureux. Juillet ou septembre, octobre et novembre font la deuxième partie de l'année. Enfin voilà le beau mois de décembre. C'est avec lui qu'un Dieu nous est donné. C'est de tout cœur qu'à chacun je présente mes meilleurs vœux de bonheur et santé. Que cette année soit des plus éclatantes, qu'elle vous apporte la prospérité. C'est de tout cœur qu'à chacun je présente mes meilleurs vœux de bonheur et santé. Que cette année soit des plus éclatantes, qu'elle vous apporte la santé, la paix et la prospérité. Et voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Réjeanne. 25 ans, des Amis du folklore, c'est quelque chose d'important. C'est un jalon, puis c'est important de fêter, puis de prendre note de ces étapes qu'on franchit. Vous êtes important. Vous êtes important, entre autres, parce que nos traditions, ça prend des gens pour les conserver, puis pour les transmettre. Et 25 ans d'Amis du folklore, c'est 25 ans de transmission de nos traditions, de notre folklore. Ces traditions-là, justement, on arrive à la période des fêtes et puis on rencontre souvent des enfants, des jeunes qui sont émerveillés de voir que les gens connaissent tous les mêmes chansons, connaissent tous la même musique, mais ça vient de quelque part, tout ça, là. Ça vient de gens comme vous qui vous assurez que ça se poursuit et que ça se transmette. Et vous aurez toujours donc mon appui, vous pouvez compter sur moi. Je vous souhaite une belle soirée, des belles fêtes, de la santé puis une bonne année 2018. Merci. Bravo. Moi, au nom du député, M. Thériault,
qui, et ainsi que moi-même, on va vous souhaiter de joyeuses fêtes et de la santé à profusion. Alors, joyeux Noël, puis profitez-en avec vos familles. Merci. Un énorme bravo à vous tous, les amis du folklore. Ça fait 25 ans que vous êtes là. Bravo à vous tous. Bravo à vous de les soutenir aussi. C'est beau d'avoir une association, mais il faut les soutenir. Fait que bravo à vous tous de les soutenir d'année après année. Nous, le conseil de ville a décidé, lors d'un événement spécial qui est la reconnaissance de nos bénévoles, on avait un prix Sagesse qui s'appelait à l'époque, et nous avons décidé de le nommer le prix Georges Lebeau. Et ça va être une plaque qui va être ici à la ville, donc il va y avoir un bénévole qui va être nommé année après année pour Sagesse. La définition de sagesse, on est en train de la déterminer avec les gens qui ont travaillé avec M. Lebeau depuis plusieurs années. Et entre autres, c'est une personne qui s'est établie dans une association, qui a donné son cœur à cette association-là et qui a travaillé énormément fort. Fait que cette plaque-là va toujours rester ici, à la ville de Saint-Laurentide, pour toujours. En quelques mots, un bref historique de notre association. Au début, j'aimerais qu'on se rappelle celui qui a fondé l'association, c'est M. Pierre-Paul Racette, qui était assisté de Léa, sa femme, et de Marie-Ange Lebeau, notre sœur. C'est eux qui ont signé la charte il y a 25 ans. Et puis, au premier exécutif, on avait nommé 5 personnes. On avait Léa Monette Racette, Armande Lebeau, Georges Lebeau, qui est parti, et il y avait M. Donat Hébert et moi-même. Ceux que je vous ai nommés, là, pendant 10 ans, c'était les mêmes équipes. À chaque année, ils étaient réélus. 10 ans plus tard, M. Hébert nous quitte. Et il est remplacé par M. Frédéric Belair, qui, à son tour, a fait 10 autres années et qui a dû nous quitter lui aussi, remplacé par Claude Lepage. Il a son fan club, hein? Et lors de la dernière Assemblée générale cette année, c'est-à-dire en mai 2017, c'était composé de Léa, Armande, Claude, Georges et moi-même. Alors, vous voyez qu'est-ce qui reste maintenant. Heureusement, on a de très bonnes bénévoles que je ne vais pas nommer parce que j'aurais trop peur d'en oublier, mais les autres, ils se connaissent, puis on les remercie, puis on en a beaucoup besoin. Un gros merci. Merci.